Bonjour à tous, vous êtes webmaster et gérez pour vos clients des blogs, des sites motorisés avec le CMS WordPress. Un nouveau client vous a communiqué les identifiants de connexion FTP, mais a omis ceux de l'accès au tableau de bord. Avec le script VP Backdoor User, via un FTP, vous pouvez créer un compte administrateur sans déranger votre mandant. Alors nous allons nous rendre en premier temps sur le site donc boiteaweb.fr. Le site donc de Monsieur Julio Potier, que je vous ai déjà présenté, je pense, lors des deux précédents, enfin lors des deux précédents tutoriels. Alors Julio Potier est spécialiste en sécurité web. Il développe aussi des plugins qui ne sont pas des plugins intéressants. Je vous invite à aller faire un petit tour. Bon, on ne le fait pas aujourd'hui car, ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Vous avez l'avantage ici, si vous avez un souci ou une question à poser concernant un des plugins qu'il propose, qu'il a développé donc lui-même, je me répète, eh bien d'avoir un interlocuteur. Nous avons l'avantage ici d'avoir des plugins français. Parmi tous ceux que l'on peut trouver dans le Grand Canyon des plugins, hein, Made in US, etc., là au moins, vous avez un interlocuteur. Il développe aussi des codes sources, alors surtout pour lui-même, étant donné que c'est un pro donc, qui a pignon sur rue, bon, évidemment qu'il sait fabriquer ses propres outils. Bien. Il en propose quelques-uns, dont celui qui nous occupe aujourd'hui. Alors, au passage, si vous êtes satisfait de ces plugins, bien sûr, aussi des outils qui nous proposent, eh bien, ce serait gentil de lui laisser un don, de lui faire un petit don, hein. Car pas beaucoup proposent gratuitement des outils. Voilà. Je suis certain que celui-ci va vous intéresser. Alors, vous trouverez donc le lien ici de cette page à la suite de la vidéo. Je vous laisse le soin de prendre connaissance de toutes les explications qu'il apporte. Je ne vais donc pas détailler davantage ce script. Encore une fois, ce n'est pas un plugin, hein, c'est un script PHP. Alors, vous l'aurez téléchargé en cliquant ici, vous vous rendez donc sur GitHub et vous le téléchargez. Voilà. Alors, vous le téléchargez, vous le décompressez. Ici, vous le renommez. Alors, je vais l'appeler tout bêtement AZERTY. Et vous renommez aussi ce fichier. Voilà. Ben, je vais l'appeler 3x123.php. Voilà. Alors, ici, bien sûr, je travaille en local. Donc, on va imaginer que nous utilisons le FTP FileZilla. Vous avez le côté votre disque dur. Et le côté serveur, donc distant de FileZilla. Alors, ce que vous faites, eh bien, bon, c'est pas exactement comme ça qu'on fait avec FileZilla, mais vous l'envoyez donc côté serveur. Ceci étant terminé, voilà. Eh bien, je vais me rendre sur ce site. Bon, c'est le mien, mais je suis en local. Hein. Bon, ici, je vais me déconnecter. Voilà. Je retourne sur le site et j'ai besoin donc d'accéder à l'administration. Alors, je vais taper ici à la suite du nom de domaine, donc AZERTY, c'est le nom qu'on lui a donné. Ici, nous retrouvons donc le fichier renommé 3x123, non, il n'y est plus, donc AZERTY, 3x123, et hop, voilà. Alors là, je vais me créer un compte administrateur. Donc, je vais taper AZERTY. Voilà, tout bêtement. Ici, je vais retaper AZERTY. Bon, c'est pas très original. Ici, une adresse mail. Voilà. Et donc, ici, vous choisissez un rôle. Bon, je pense ici que pour ce qui nous intéresse, c'est on va rester en rôle administrateur. Bon,
Je vous laisse faire les autres. Vous lirez donc sa page. Hein. Le tutoriel ici est essentiellement, comment je veux dire, tourné vers donc la création d'un rôle, d'un compte, donc administrateur. Hein. Bon, voilà. Donc je m'adresse plus là donc aux professionnels, bon bien qu'aux particuliers. Hein. Voilà. Donc nous créons ce compte. Voilà, il est créé. Je vais donc dans tous les utilisateurs. Voilà. Alors, j'étais déjà là, donc en tant qu'administrateur. Bon, je suis le webmaster ici. Je m'appelle Azerty. Le mail que j'ai rentré et le niveau est administrateur. D'ailleurs, lorsque nous nous rendons sur le tableau de bord, eh bien, j'ai accès à toutes les fonctionnalités. Par exemple, je vais aller dans l'éditeur. Voilà. Alors voilà, c'est très très simple. Alors, petite précision. Voilà. Le script ne peut servir qu'une fois. Donc, il est détruit, donc il s'auto-détruit, donc automatiquement. Nous n'avons plus que le fichier README. Le fichier PHP n'est plus là. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura rendu service. Je pense que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à lui rendre visite. Merci, à bientôt.